Bonjour à tous, bienvenue à Pio. Nous sommes le lundi 16 février 2015. Ce matin, un temps superbe, un petit peu de vent qui a soufflé cette nuit et qui nous a formé quelques petites plaques à vent sous les corniches, sous certaines corniches de la station. Vous pouvez admirer ici Hervé, un pisteur de Pio qui est en train de passer en ski pour essayer de déclencher ces plaques et essayer de les faire glisser afin de sécuriser la piste, le chemin de traversée qui passe en dessous. La neige a l'air très compacte, une petite plaque s'est déclenchée toute seule ce matin. Ici vous pouvez voir la cassure en haut sous la corniche. Et là nous suivons donc la progression d'Hervé en espérant que tout parte sous ses skis et non pas au-dessus bien sûr. Pour le moment, tout a l'air très compact, ça n'a pas l'air de bouger. On va voir ce que ça donne lorsqu'il va passer sous cette petite corniche. Non, ça n'a pas l'air de bouger. Allez Hervé, un petit effort. Ah voilà, regardez, magnifique. Voilà, une jolie plaque qui traverse la piste, qui traverse le chemin et qui va nous faire des oups et des petites bosses au milieu du chemin de la JM. Hervé continue son petit passage acrobatique sous la corniche. Et ça continue à partir. Une plaque qui doit faire une quarantaine de centimètres d'épaisseur à peu près, avec de la neige bien compacte. Un transport de neige qui a été fait cette nuit par un vent d'ouest qui a soufflé jusqu'à 100 km/h sur les crêtes de la station. Voilà, et le travail continue. Voilà une partie intéressante du travail des pisteurs. Voilà. Normalement, ça devrait s'arrêter là. Merci Hervé pour cette petite démo. C'était très explicite et je pense que les gens comprendront maintenant à quoi ressemblent les plaques avant. Merci, bonne journée à tous, soyez prudents et profitez bien de vos vacances à Pyongyang.